Réunion exceptionnelle avec, avec Sylvie Guillaume. On rappelle le cadre. Ici, on est avec des militants PSE. Les niveaux de responsabilité sont très divers. Il y en a certains qui ont juste un gros cœur de socialistes qui veulent... C'est déjà bien. ont des responsabilités fédérales. Les niveaux de connaissances sont très variables. Certains maîtrisent complètement le processus décisionnel et tout ça. D'autres découvrent. Mais là, un seul point commun à tous, on est OPS et on veut l'intégration plus poussée, on veut accompagner, on veut aider à ce que la grande et belle mécanique socialiste européenne fonctionne. Donc on a ces rendez-vous-là qui se font de manière sur une base hebdomadaire depuis le début du confinement. Il faudra voir après les vacances comment est-ce qu'on garde ce rythme ou pas. Mais bon, en gros, voilà, avec des intervenants qui viennent de France ou d'ailleurs. Et on est surtout très content de t'avoir, toi Sylvie, parce que tu présides la délégation de la gauche sociale et écologiste, donc DGSE pour les intimes, voilà. C'est l'acronyme fait rigoler, mais pas ce qu'on y porte et ce que vous y portez au Parlement européen, donc très important. En guise de petite accroche, moi j'avais dit que ça serait pas mal. L'objectif de nos réunions, c'est aussi beaucoup de voir comment avoir une déclinaison pratico-pratique sur du moyen, court-moyen terme. On n'est pas sur des trucs énormes, mais on veut pouvoir faire campagne ou aider ou qu'on nous donne des indications sur comment on peut décliner pratiquement sur nos territoires, là où on est, l'orientation, les débats d'actualité, tout ça, de façon à ce qu'on ait une prise et qu'on puisse inviter les camarades autour de nous à s'intéresser aussi aux questions européennes et leur montrer qu'il y a des moyens d'agir. Et donc là-dessus, dans l'agenda, moi ce que j'avais repéré, mais tu compléteras, tu feras comme tu l'entends, hein, comme tu préfères, mais moi j'avais vu la session plénière qui démarre, la dernière d'ailleurs de l'année. Si. En tout cas de ce semestre. De ce semestre, oui, tout à fait. Oui, pardon. Oui. réfléchis en année scolaire. Donc la session plénière là, qui va démarrer. Parmi tes responsabilités, il y a le marché intérieur, la commission marché intérieur. Dans l'actualité, il y a le Brexit, ou en tout cas exactement l'extension ou pas de la période l'extension du délai pour obtenir un accord. Exactement. et surtout, perspective ou pas perspective, tu nous le diras, d'une absence d'accord. En tout cas, c'est un petit peu la manière dont le gouvernement britannique envoie, c'est les signaux qu'il donne. Et donc, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Et quel est le degré de préparation? Non pas des Britanniques, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est pas notre souci, mais par contre, notre préparation à nous. Et quand je dis nous, oublie pas, hein, on réfléchit en militant européen, donc ce n'est pas nous français, c'est nous union. Et puis, l'autre gros truc que j'avais repéré aussi, c'était le Recovery Fund. Comment est-ce que son montant, les allocations, les pays destinataires de la chose. Est-ce qu'il y a conditionnalité, pas conditionnalité, la concurrence et l'articulation avec les perspectives financières qui font aussi partie des sujets. Voilà, ça c'est des trucs, tu le fais à ta façon. Notre format c'est 40 minutes, donc on essaie de faire court de façon aussi à avoir des questions. Les camarades sont tous hyper disciplinés, ils ont tous fermé leur micro, c'est parfait. Quand vous faites des interventions, faites-les courtes, brèves, efficaces, avec juste la question.
OK. Et puis comme ça, ça permet d'avoir vraiment des choses réactives et nourries. Sylvie, je te laisse la parole. Ça marche. Je me mets un chrono, comme ça je jette un petit coup d'œil de temps en temps si je dépasse les bornes, parce que j'ai moi-même un agenda peu contingenté là, dans les jours qui viennent. D'abord, je voulais te remercier, Alex, à titre personnel, de l'initiative que tu prends et que tu prends régulièrement, manifestement. Et puis, même si je ne vois que toi sur mon écran de tablette, remercier ceux qui peut-être sont avec nous et que je remercie à la fois d'assister et de participer à cette séance. Et puis d'avoir, comme tu le disais au tout début, l'Europe chevillée au cœur et avoir envie de continuer de s'y intéresser. D'ailleurs, je saisis la balle au bond tout de suite pour dire que, comme je l'ai annoncé, moi je fais mon dernier mandat au Parlement européen. Et je fais ce dernier mandat avec en tête l'idée que les élus, notre formation politique, le PSE dans son ensemble, mais évidemment sa branche française, doit s'attacher à entretenir le débat politique sur l'Europe en son sein, ne doit pas considérer, comme c'est malheureusement souvent le cas, qu'on s'intéresse à l'élection, enfin à l'Europe 6 mois avant l'élection pour essayer de trouver un accord sur des listes de candidats, et que tout cela mérite mieux que ce regard un peu distant ou parcellaire. Et donc, dans ce dernier mandat, moi, si j'avais un rêve, si surtout je pouvais le réaliser, ça serait de continuer, enfin de participer à cette mise en route de cette armée pacifique de militants qui sont formés, savent parler d'Europe, ça je ne me fais pas de soucis, mais sont organisés pour être présents sur le terrain et faire vivre une sorte de campagne permanente sur l'Europe au cours de ces 6 années. Donc voilà, je vous livre mon rêve d'entrée comme ça, et puis on verra bien si on se donne les moyens de le réaliser. En tout cas, je suis très très sensible à cette transmission, la montée des jeunes générations, c'est un peu à la mode en France en ce moment, le changement des générations, donc il faut aussi peut-être qu'on passe à ça au plan européen. Tu as évoqué beaucoup de sujets, dont certains sont, voilà, tous d'ailleurs sont des sujets assez lourds. Je pense qu'on je ne vais pas en rajouter à la liste, mais peut-être qu'un jour on pourra revenir de façon un peu plus approfondie dans une autre séance sur un sujet qui m'est aussi très cher et sur lequel je bosse depuis assez longtemps, qui sont les questions de migration et d'asile. Bonjour. Parce que d'ici la fin de l'année, dès lors que les questions financières seront à peu près à la fin de leur parcours, on devrait avoir la délivrance du futur plan asile-migration qui, de mon point de vue, je ne veux pas faire du spoil système, devrait être quand même extrêmement difficile à admettre et à suivre. Et donc, je pense que c'est aussi un des grands sujets humains et politiques de l'Union européenne sur lequel il ne faut pas passer. On ne peut pas le faire aujourd'hui, donc on ne le fera pas. Mais gardons ça en tête. Et puis, si j'avais dû rajouter aussi un sujet à notre discussion, et là peut-être aussi le fera-t-on à une autre occasion. Vous savez sans doute qu'il était prévu une conférence sur le futur de l'Europe qui devait commencer le 9 mai dernier pour 2 années, si ma mémoire est bonne. Bon, Covid-19 aidant, eh bien, on n'a pas pu faire ce lancement de convention sur le futur de l'Europe. Du coup, les discussions se sont poursuivies sur comment on aborde une réforme de la gouvernance, une réforme de l'Union, une réforme de ses fonctionnements dans l'avenir. Donc ça y est, on est au bout du dispositif. Le groupe de travail, une sorte de petite commission spéciale s'est mis en route pour travailler sur ça, a produit beaucoup de textes, une résolution. Donc on a les idées claires sur ce qu'on veut. Et je pense que ça serait bien pour les militants du PSE de s'intéresser à cette convention, parce que on a beaucoup travaillé pour que les citoyens n'en soient pas absents, contrairement à ce que le Conseil aurait voulu. Il se serait bien passé de la participation des citoyens pour en faire juste un truc un peu conventionnel. Donc voilà, je pense qu'il faudra se saisir de cette idée de la convention sur le futur de l'Europe pour y mettre notre patte.
Voilà, j'ai fait ma liste de courses pour la suite. Donc, j'en viens à la tienne, Alex, avec là aussi donc, des sujets assez importants. Je commence par celui qui est à la fois le plus compliqué et puis que je vais solder le plus vite pour se centrer sur les deux gros, ce que je considère les deux gros sujets de maintenant. Tu as évoqué les questions de commerce international. Oui, je suis dans la commission marché intérieur. C'est à la fois un sujet très, très passionnant, très politique, mais extrêmement technique par certains côtés. Je crois qu'il faut juste qu'on ait en tête, il faut qu'on ait en tête dans ces différents sujets de INCO, marché intérieur, donc, cet acte sur les services numériques qui va voir le jour d'ici la fin de l'année, dont la vocation est de réglementer dans un monde numérique qui évidemment bouge beaucoup, les responsabilités des plateformes en réponse à la dimension économique et en réponse à l'utilisation par les citoyens. Donc ce DSA, ce Digital Services Act, va faire beaucoup parler de lui dans les temps qui viennent, à partir, je pense, de la fin de l'année, quand la consultation de la commission sera terminée. Pour l'instant, on plante nos drapeaux de sociaux-démocrates, puisque le rapporteur sur ce texte est un socialiste maltais, enfin travailliste maltais. On plante nos drapeaux pour faire en sorte qu'on ait une vraie régulation du monde du numérique, en partant d'un principe finalement assez simple, qui est ce qui est légal en ligne, et ce qui est aussi légal hors ligne, et ce qui est illégal hors ligne doit être également illégal hors ligne. Donc, avoir un parallélisme de la législation et des barrières qui sont. Donc, ça sera un gros sujet. Mais pour l'instant, les gros sujets, c'est effectivement l'engagement de l'Union européenne pour faire en sorte qu'elle puisse combattre les risques économiques et sociaux qui ne manqueront pas de voir le jour très très vite dans tous les pays de l'Union, ou disons dans une très très grande majorité de pays de l'Union à la suite de la crise du Covid-19. Sur ce plan, il vient à la fois de loin, mais en même temps il est très pratique, je trouve, et il témoigne aussi d'une forme de pragmatisme nouveau de la Commission sous la houlette d'Ursula von der Leyen, parce que très vite, la Commission, elle n'a pas réagi immédiatement, on a senti un peu un rythme un peu non soutenu au démarrage, mais ensuite elle a cherché à réagir très vite et très fort en lançant massivement des centaines de milliards d'euros pour venir en soutien économique et faire en sorte de combattre donc les effets de la crise. Donc ça se solde par un paquet qui n'est pour l'instant pas encore complètement finalisé, puisque le Conseil qui se tiendra la semaine prochaine, 17 et 18 juillet, abordera à nouveau le volume. Sur ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis vraiment à se faire. Ça sera effectivement 750 milliards d'euros. Mais on peut imaginer que la répartition 500 milliards, 250 milliards, prêts ou subventions pourrait encore faire l'objet d'un certain nombre de négociations. Tu as eu raison d'indiquer tout à l'heure, Alex, que la question de la conditionnalité est une dimension absolument fondamentale pour nous. Les sociaux-démocrates refusent les conditionnalités, c'est-à-dire refusent de mettre en place ce qui s'apparenterait à une nouvelle troïka, parce que très sincèrement, les politiques d'austérité et ce qu'a fait la troïka en Grèce il y a maintenant presque une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années, pardon, ne nous semble pas la voie à suivre. Pas de conditionnalité peut-être à l'exception d'une, qui serait le respect de l'état de droit et des droits fondamentaux, puisque dans ces blocs d'États membres qui réagissent sur ce plan, sur ce Recovery Fund, il y a évidemment les pays de Visegrad qui, pour certains d'entre eux, sont assez inquiets de cette manne financière qui pourrait leur échapper, puisqu'ils comptent, eux, beaucoup sur les politiques de cohésion. Et pour appeler un chat, il nous apparaîtrait extrêmement compliqué de ne pas mettre de conditionnalité à l'accès de ces fonds au gouvernement hongrois,
au gouvernement polonais, voire au gouvernement tchèque, sachant que le Premier ministre tchèque a, disons, un rapport assez particulier au fonds européen dont il fait un usage quand même très, très personnel et en tout cas individuel. Donc, la seule conditionnalité qui nous apparaît vraiment très, très importante et sur laquelle on pourrait avoir cet enjeu, c'est cette question du respect de l'état de droit. L'enjeu du Conseil du 17 et du 18 va être de faire en sorte de rapprocher des blocs, d'États membres qui ont des perspectives et des identités différentes. On retrouvera évidemment le fameux couple franco-allemand qui s'est beaucoup démené ces dernières semaines, pour y compris griller un peu la politesse à Ursula von der Leyen en présentant son propre plan à 500 milliards d'euros, juste avant que la Commission ne le fasse, mais qui reste très solide dans la discussion, notamment pour essayer de convaincre un autre de ces blocs, qu'on appelle, alors quand on est méchant, on les appelle les radins, quand on est un peu plus civil, on les appelle les frugaux, voilà. Les pays du Nord, plus une partie des pays du Nord, plus l'Autriche, qui considèrent que le mot de base est non. Voilà, on en a connu d'autres qui avaient ce mot de base-là. Eux, c'est non, c'est-à-dire que non subvention, non à l'absence de conditionnalité, non à l'augmentation du budget, j'y viendrai, non à tout. En fait, en gros, pratiquement. Et donc, ça rend les discussions effectivement assez compliquées. Mais je pense quand même qu'il serait difficile de considérer que, je ne vois pas comment on pourra considérer un échec dans la suite des opérations, parce que très sincèrement, les citoyens nous attendent sur ce sujet. Du coup, comme je suis déjà pratiquement à 12 minutes, je vais laisser en suspens cette partie-là et en venir quand même d'un mot sur, enfin, un mot si on peut dire aussi, sur les questions du budget, puisque corrélativement avec le Recovery Fund, on doit parler du budget, puisque celui-ci, le premier s'appuie évidemment beaucoup sur le second. Nous sommes en pleine discussion du cadre financier pluriannuel pour les années 21-27, avec finalement une sorte de triple enjeu, si on devait les circonstancier. C'est le volume, d'abord. Un volume qui, pour l'instant, ne nous satisfait pas, puisque le Parlement avait évoqué 1 300 milliards. La Commission avait fait une proposition qui était encore en dessous de sa proposition initiale, et le Conseil est autour de 1,16 milliards. Donc c'est, j'ai fait en milliards, mais pardonnez-moi, c'est 1,3 en pourcentage, pardon, pour le Parlement, 1,16 pour le Conseil. Donc on n'est pas du tout dans les purs qui nous sembleraient utiles, même hors phénomène de crise, puisque les socialistes et démocrates ont, pour une grande majorité d'entre eux, toujours eu une idée du budget comme étant beaucoup plus haut que cela, sans doute plus du côté du 3% et probablement au-delà si vraiment on se prenait à rêver. Donc le volume pour l'instant n'est pas correct pour le cadre financier actuel. Le deuxième point qui pour l'instant nous semble insuffisant, c'est les orientations de ce budget, puisque on considère que notamment la part sur la protection du climat et liée à l'environnement n'est pas conforme au message qui a été envoyé dans toute l'Union, et singulièrement, j'ai fait quand même allusion en France récemment. Et puis, le troisième gros sujet, c'est la question des ressources propres, puisque l'idée que les socialistes et démocrates ont, au travers du groupe de travail qui s'est mis en place sur la négociation du budget pluriannuel, c'est de ne pas donner le sentiment qu'on va augmenter les impôts des ménages européens, ce qui est évidemment exploité par les extrêmes, notamment les extrêmes droites, comme étant, voilà, l'Union refait ce à quoi sert l'Union, c'est à créer des impôts. Notre idée, c'est au contraire de développer, ce qui est notre ancienne depuis longtemps, un système de ressources propres,
un panier de ressources propres qui soit adapté pour alimenter ce budget de façon adéquate. Alors, on est très bien placé dans cette discussion puisque sur le budget 2021, qui est évidemment très important pour la suite, hein, pour le cadre financier pluriannuel, le rapporteur général est Pierre Laroutoul, qui a été élu sur notre liste et qui travaille à essayer de trouver un accord sur ce premier budget. Et puis, on a des papiers, des documents tout à fait précis sur le panier de ces ressources propres que nous voudrions voir adopter, que ce soit avec serpent de mer de la taxe sur les transactions financières, mais qu'il ne faut pas abandonner, ou bien encore la taxe sur la taxe carbone, ou bien encore la taxe sur le numérique. Bref, on a comme ça, ou sur le plastique. Alors, avec des rapports financiers qui sont évidemment très, très différents les uns des autres, on ne peut pas comparer le rapport financier de la taxe sur les transactions financières avec une taxe sur le plastique. Mais en tout cas, on sait qu'on doit négocier ce panier de ressources pour nous permettre d'évoluer et d'alimenter ce budget pour qu'il ait réellement un impact auprès des citoyens. Je n'ai pas le temps de développer parce que je vois que le temps passe vite, mais la discussion sur le budget tourne beaucoup autour des grands enjeux, notamment économiques, mais les socialistes et démocrates, et faites confiance à notre délégation pour être sur ce terrain-là, n'oublie pas que la question est aussi une question sociale et que nous n'abandonnons pas le pilier des droits sociaux et les avancées qui devront être mises en place, notamment par exemple de mise en place d'un système de chômage partiel ou de financement du chômage dans l'Union, aux côtés de notre commissaire luxembourgeois Nicolas Schmitt, social-démocrate, et que ne peuvent pas être non plus passés sous silence dans ce budget ou subir l'impact des restrictions, des domaines aussi fondamentaux, je le dis pour moi, et j'espère que ça sera partagé, que sont la culture et l'éducation, qui pour l'instant font l'objet de propositions qui sont en dessous de ce qui était proposé la dernière fois. Donc, c'est un vrai scandale de mon point de vue et ça donnerait une image particulièrement détestable de l'Union dans le quotidien de nos concitoyens. Et j'en termine quand même parce que j'avais promis, en dire un mot sur la négociation du Brexit. Vous voyez qu'on est obligé de jongler sur des concepts et des sujets multiples. Pour dire un peu ma circonspection sur et mon voilà, je suis pas voyante extra lucide sur ce qui va pouvoir se passer à l'égard du résultat de cette discussion, parce que autant, même si je ne partage pas ses convictions politiques, je reconnais que Michel Barnier a été absolument à la fois d'une très grande élégance et d'une très grande détermination dans la conduite des discussions pour les Européens dans leur ensemble, et qu'il l'a fait avec beaucoup de détermination. Autant le comportement très erratique du gouvernement britannique rend les choses un peu aléatoires. Et cela génère une sorte de surplace en ce moment des discussions. On a un groupe de travail de haut niveau qui accompagne le Parlement européen auprès de Michel Barnier, qui est bien en peine de savoir réellement ce qui va se passer. Donc, on continue d'évoquer les sujets qui, selon nous, sont importants et sur lesquels on ne peut pas transiger. Évidemment, la question commerciale. Si l'idée des Britanniques est de conclure un accord commercial où ils ont tous les bénéfices de l'Union et nous tous les inconvénients de les avoir à bord, la question va être vite réglée. Parce que je ne vois pas comment on pourrait, et d'ailleurs personne n'y aura intérêt, conclure quelque chose qui serait déséquilibré. La question de la pêche est singulièrement importante dans ces discussions. Moi, je ne suis pas spécialiste du tout de la pêche, donc je ne serai pas très, très précise, mais les zones de pêche, l'activité économique s'apparente en ce moment à une guerre navale, pourrait s'apparenter à une guerre entre les pêcheurs européens et les pêcheurs britanniques. Donc, s'agissant des pêcheurs, des sous-traitants et de l'activité économique des zones côtières, c'est évidemment un sujet particulièrement important. Comme l'est, et je crois que je conclurai finalement par là après avoir cité
quatre dimensions. C'est également la question des droits des citoyens, d'ailleurs qu'ils soient des citoyens de l'Union européenne résidant au Royaume-Uni ou bien des citoyens du Royaume-Uni résidant dans les États membres de l'Union, qui ne peuvent pas pâtir de ce désaccord ou de ce patinage sur place de la discussion. Donc voilà, on est sur des sujets très très forts, sur des règles, ce qu'on appelle le level playing field, qu'on a bien du mal un peu à traduire. Je garde sous les yeux toujours les règles du jeu équitable. Le message à faire passer, c'est que les règles du jeu soient équitables entre les Européens et les Britanniques, sur la gouvernance de l'accord, sur la coopération qui se mettra en place, qui sont tous des sujets importants. Donc, est-ce que j'ai compris des Britanniques qui n'entendaient à aucun moment repousser la date limite de conclusion de l'accord, ce qui, dans la période pour l'Union, paraît assez difficile, puisqu'il faudrait avoir tout conclu pour le 31 décembre. Et donc, on a un peu le sentiment d'un jeu de qui perd gagne, ou même un non-accord, ce qui était totalement écarté par l'Union, ça a toujours été écarté dans les négociations par l'Union, pourrait malheureusement être le solde final de ces discussions. Ce que, à titre personnel, je ne souhaite pas, évidemment. Voilà, pardon, j'ai peut-être été un peu brouillonne dans tout ça, mais vu le temps qui passe, je vais m'en tenir là et peut-être en privilégier un échange. Merci beaucoup. Parfait, parfait. Je ne reprends pas la parole. Allez-y, branchez votre micro si vous voulez et allez-y, posez des questions. Je vois qu'on a le Hermano, l'adjoint au maire à la mer, pardon, de Paris, celui qui est avec nous. Salut Hermano. Mais je suis sûr qu'il y a des camarades qui veulent pouvoir poser des questions. Oui, moi, je peux commencer. Vas-y, Omri. Alors, Omri Schwartz, de la Fédération de Toulouse. Par rapport au Brexit, j'étais récemment assez heureux d'entendre l'intervention de Merkel parce que jusqu'à récemment, j'ai eu l'impression que les Européens, tous les pays, veulent faire l'accord. Excuse-moi, Omri, je oui. T'entends de façon très hachée. Très hachée. Donc, j'entends un mot sur... J'entends un mot sur deux là. Donc, Est-ce que ça marche mieux maintenant? Sinon, je vais déconnecter. Pour l'instant, ça va. Ok. Sinon, je pourrais me connecter avec le portable. Et du coup, l'intervention de Merkel qui a dit que peut-être il n'y aura pas un accord avec l'Angleterre était assez réconfortant parce que j'ai l'impression que tous les pays de l'Union européenne ne peuvent pas imaginer de ne pas faire un accord avec les Anglais. Et les Anglais le savent. Les Anglais le savent, il y a un jeu. Et j'ai eu l'impression que franchement, autant dans le premier round de négociations, on était gagnant, autant maintenant, ils savent que les Européens ne sont pas prêts de payer le prix qui sera beaucoup moins élevé pour nous que pour eux. Mais quand même, que même ce prix-là, les pays européens ne sont pas prêts à payer. Et je me demande, est-ce qu'on a encore des politiciens qui exercent des pouvoirs dans les États qui sont prêts à payer des prix pour mener à bien des dossiers? Parce que il faut, au début, au moment du Brexit, on s'est posé la question s'il ne faut pas que les Anglais, qu'on montre que sortir de l'Union européenne n'est pas un dolore. Là, personne ne parle de ça. On parle d'un prix. Un accord dans tous les cas, on est obligé d'avoir un accord, même si pour le moment, il me semble qu'il sera plutôt favorable aux Anglais. D'autres questions? Et sinon, utilisez le en bas du clavier converser, comme ça vous pouvez aussi poser vos questions par écrit pendant qu'il y en a un qui la pose. Je réponds là maintenant? Vas-y. D'accord. Non, mais Omri a raison de dire que, tu décris une négociation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire avec sa dramaturgie, ses avancées, ses reculs. Donc, tout ceci est effectivement, ne peut pas être maîtrisé en totalité. Tu as été assez d'accord sur la séquence que tu as décrite,
je me permets de tutoyer, hein, mais que tu as décrit, sur le côté un peu, on avait plié les Britanniques dans la première période et du coup, ils sont maintenant un peu reconstitués, ils ont reconstitué leur force. Ça, c'est tout à fait juste. Mais très sincèrement, je pense que l'idée des Européens demeure, je conçois que ça puisse être critiqué ou en tout cas remarqué, mais j'ai le sentiment que les Européens continuent de vouloir un accord gagnant-gagnant. Parce que c'est effectivement le sens que nous avons envie de donner à la construction européenne, mais cet accord gagnant-gagnant, la limite, ça va être de savoir que la démonstration, elle devra effectivement être faite que ça n'est pas indolore et qu'on ne peut pas sortir de l'Union en en tirant des bénéfices. Et ça, là-dessus, je pense qu'on peut faire confiance aux négociateurs, au Parlement européen qui a quand même joué dans le contexte interinstitutionnel sa carte de très grande fermeté à l'égard de la discussion. Je ne suis pas sûre qu'au final, les Européens y perdent. Donc moi, je ne ferais pas ce pari-là. Je pense que le signal politique que devaient donner les Européens, c'est celui de la sérénité de la discussion, de la détermination, de l'intransigeance, mais pas en balayant cette discussion ou en considérant que de toute façon, ça allait se finir à leur avantage exclusif. Parce que je pense que ça n'aurait pas permis de mener une discussion correcte. Mais au final, je le redis, hein, je suis extrêmement claire là-dessus, moi, si ça doit se solder sur un non-accord, voilà, je ne vais pas pleurer. Hein. Je ne vais pas pleurer et je ne pense pas qu'on puisse tout lâcher au profit de quelque chose qui serait mal conçu ou on perdrait trop de plumes. Ça, les choses sont extrêmement claires. Je pense, enfin en tout cas pour moi, ça l'est. Et très franchement, je pense que les sociodémocrates sont assez alignés alignée sur la position des sociodémocrates. Parfait. Je vois que où en sommes-nous des discussions pour une solidarité européenne et une répartition de l'accueil des migrants et en parallèle la réorientation, projet plus que budgétaire aux États de l'aide au développement. C'est Mireille qui pose la question. Alors, sur la première partie, nulle part. Malheureusement, j'allais dire nulle part. J'y faisais allusion tout à l'heure quand je parlais du pacte asile-migration qui verra le jour. Ce pacte, il est mené par une social-démocrate, commissaire social-démocrate suédoise qui essaye de faire en sorte de faire quelque chose d'équilibré entre les pays d'accueil et ceux qui ne veulent pas entendre du tout parler de cet accueil. Elle continue d'évoquer une répartition. Mais je pense qu'elle est dans l'incapacité de rendre cette répartition des flux contraignante. Donc, ma crainte dans tout ça, c'est qu'on en finisse par une négociation où un certain nombre d'États membres, soit on voit péter la discussion et ce pacte ne voit pas le jour ou est taillé en pièces au fur et à mesure, ou bien certains s'en sortent en compensant financièrement le non-accueil des personnes. Mais le pacte... Attendez, excusez-moi, parce que j'ai un camion qui va rentrer dans la maison, là. OK. Bon. Ce pacte, il ne solde pas les problématiques qui sont en cours, parce qu'il faut aussi parler du règlement Dublin, il faut aussi parler de l'intégration, il faut aussi parler des procédures. Donc, cette question de la répartition est un enjeu des politiques d'asile et de migration, mais ne solde pas la difficulté du problème. Donc, pour résumer, je fais partie de ceux et celles qui ne sont pas très optimistes, même si j'ai très envie d'aider la commissaire social-démocrate suédoise. Mais je ne suis pas très, très optimiste sur ce pacte. Et donc, sur le fait qu'on assumera ensemble et collectivement, en solidarité, une éventuelle nouvelle vague de personnes, mais en routine aussi, un accueil équilibré, malheureusement. Si les camarades n'ont pas de questions, moi, c'est surtout là, dans les quelques temps, dans les trois minutes qui restent, que tu nous dises exactement où est-ce que, pour toi, en tant que présidente de la DGSE, tu aimerais qu'on aille peser.
Là, dans les 3 semaines qui viennent ou 2 semaines qui viennent, réfléchir au congrès, j'imagine. Il va y avoir le congrès du PSE. Est-ce que nous, on aura une intervention dessus? Voilà. En fait, c'était une question sur l'international, puisque ce matin, la Chine a lancé un appel à la France pour une non-discrimination sur le... Voilà, donc je ne vais pas aller... Vous avez entendu parler comme moi. Et en fait, je me demandais quelles allaient être les... Enfin, quelles vont être les répercussions, justement. Est-ce qu'il va... on s'attend à des conflits au niveau des délocalisations à venir, que ce soit sur le plan peut-être pharmaceutique, mais aussi la délocalisation au niveau aussi du marché des voitures. Enfin, je me dis que en fait, je suis un peu inquiète et je me demande en fait ce que ça peut donner aussi au niveau des localisations à l'intérieur de l'Union européenne. Est-ce qu'on ne va pas se chamailler à se dire non, moi je prends ce marché-là, et comment en fait on va localiser à l'intérieur même, et que justement ça ne crée pas des différences sociales au niveau du marché de l'emploi. Enfin, il y a plein de choses qui me... Ouais, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet pour... Attends, Sylvie, juste avant que tu ne répondes, comme il ne reste qu'une minute, même pas, 45 minutes, 45 secondes, on va sûrement être coupé dans ta réponse. Et donc, vraiment, on vous retrouve le message et on se colloque juste derrière. OK, Sylvie, vas-y. D'accord. Non, mais je ne vais pas pouvoir faire en 45 secondes sur la dernière partie, parce que je pense que nous avons cette problématique avec la Chine aussi parce que la question du Covid-19 et des approvisionnements et la dépendance s'est posée à l'égard de cette crise elle-même. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on aurait eu à s'affronter ce système de relations hors crise et conséquences du Covid-19. Et très sincèrement, je pense que les choses sont assez peu maîtrisées encore pour le moment. Borrell fait plutôt un excellent démarrage de haut représentant, un peu grande gueule, si vous me passez l'expression, et puis en s'intéressant à beaucoup de sujets. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Donc c'est Delphine, j'avais vu Daphné. Delphine a raison d'être inquiète, effectivement, parce que c'est quand même une guerre commerciale, ou en tout cas un système relationnel qui est assez peu maîtrisé pour le moment. Moi, finalement, quand j'entends parler la Commission européenne ou le Conseil que les approvisionnements soient mieux pensés, que la dépendance soit mieux organisée ou l'indépendance soit mieux organisée à l'avenir, je trouve que ça mérite qu'on réfléchisse un peu plus avant là-dessus, parce que si ça se solde, si cette question vis-à-vis des Chinois ou vis-à-vis des médicaments ou par ailleurs sur d'autres types de produits ou d'autres endroits dans le monde par rapport à l'Union européenne, ça se solde par « on veut de la souveraineté européenne », point barre. Je pense que, à titre personnel, je suis assez critique sur l'utilisation de ce terme, que je trouve à la fois très défensif et pas suffisamment axé sur le côté de développement et de négociation. J'y substituerais bien, et c'est de cette manière-là que je réponds à la question, le terme de stratégie, plus que de rétablir la souveraineté de l'Europe dans tel ou tel domaine. Parce que c'est ça qu'on arrive à se mettre d'accord. C'est quelle stratégie on développe ensemble pour faire en sorte que cette espèce de découpage des compétences ou découpage économique de nos États membres prévale par rapport à une stratégie globale. Dit autrement, le risque, c'est effectivement celui qui a été décrit, c'est que finalement, on finisse par rapport à notre face-à-face avec, par exemple, les Chinois, qu'on soit renvoyé dans nos propres confrontations d'États membres et nos propres concurrences au sein de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il faut une stratégie plutôt que seulement un système de souveraineté dont on serait peut-être fier, mais sans qu'il s'applique de façon dynamique. Donc, sur le sujet de l'approvisionnement en tel ou tel domaine, privilégions plutôt cette dimension-là, plutôt que un simple, entre guillemets simple, système de relocalisation d'un certain nombre d'activités. Parce que la question se posera de façon presque encore plus cruciale sur la question de l'alimentation.
Éric Andrieux, mon collègue, ne cesse de mettre la trouille quand il nous explique que l'Union, à ce stade, dispose de 43 jours d'autonomie alimentaire s'il n'y a plus d'échange. Voilà, juste faut avoir ça en tête, parce que pour la Chine, de mémoire, c'est plus de 2 ans d'autonomie si tout s'arrête en termes de commerce. Donc là, c'est aussi extrêmement concret. Et ce n'est pas seulement de la souveraineté. Là aussi, c'est quelle stratégie on met en place en termes alimentaires, en termes de suffisance, en termes de, pas tant de développer, mais sur la future PAC, qu'est-ce qu'on met dedans et comment on fait un passage vers une PAC qui soit plus, une politique agricole commune, qui soit plus efficace et tournée sur les personnes. Tous ces sujets-là sont pour l'instant assez passionnants, je trouve, à évoquer. Ouais, bah, je vais encore 40 minutes. Et... Ah non, non. Beaucoup moins, on fait juste un peu de prolongation, mais pas 40. Ma question ne va pas durer pendant 40 minutes, alors ça va aller. Et très simple, avec, on fait des réunions régulièrement à Toulouse, on a accueilli Aurore Lalouque, on a accueilli Raphaël Glucksmann, on l'aime bien. Mais au niveau des stratégies électorales, là qu'on en est après la campagne européenne, est-ce que, sincèrement, est-ce que tu trouves qu'on a fait les bons choix? Est-ce qu'on aurait fait pire sans l'alliance avec Place Publique? Est-ce que le PS seul vaut moins de 6% il y a plus ou moins, à peu près, d'une élection européenne? Et deuxième question, est-ce qu'on va te voir à l'université d'été à Blois? Écoute, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je me dis que c'est difficile de refaire l'histoire à l'envers. Et c'est, ou disons plus exactement, c'est facile de refaire des scénarios une fois qu'un autre s'est produit. Oui, mais moins, ça, je pense qu'on n'aurait pas fait. Et ça doit te donner déjà une idée de ce que je répondrais si tu me posais la question de savoir si on avait fait plus. Donc, voilà, le choix, il a été fait. Je pense que, voilà, il a été critiqué parce qu'il semblait donner une place insuffisante à notre formation politique. En même temps, j'ai accompagné cette dimension du rassemblement avec des mouvements qui faisaient partie d'un ensemble plus large. La crainte aurait pu être que finalement, ce peu d'élus affaiblissent la dimension social-démocrate dans le groupe et dans le PSE. Ça n'est pas le cas. Nous sommes 6, mais je peux te dire que les 6, les places publiques, les nouvelles donnes, les socialistes dans le groupe sont extrêmement actifs. Le groupe était content que nous soyons encore présents parce que je ne te cache pas qu'ils ont eu la crainte que les socialistes français et leurs alliés ne soient plus présents dans le groupe. Donc, et nous tenons une place vraiment importante, bien que nous soyons peu nombreux. Et c'est ça aussi qui fait un peu la différence. Pour être un peu cru, on aurait pu être beaucoup plus, mais moi je suis contente qu'on soit 6 extrêmement actifs au plan européen. Et ça, bon, pardon, mais ça, on a de temps en temps eu des gens qui étaient un peu plus dans le tourisme qu'autre chose. Là, tout le monde bosse à fond, quoi, et à fond sur les enjeux européens. Donc, c'est à voir, on fait un pari aussi sur l'avenir pour que cette présence, ces propositions politiques qu'on fait à la fois dans le contexte politique français, dans le contexte politique européen et au sein du PSE, parce que je me rends compte que je n'ai pas répondu à Alex tout à l'heure, notre identité, qui est pluriel à ce stade, soit une vraie identité social-démocrate assumée. Et ça, on l'assume. Après, voilà, on ne peut pas refaire, moi, je ne vais pas refaire une désignation, une stratégie. La réalité, elle est celle-là et je m'applique à être une présidente de délégation qui fait bosser les gens. Tout à l'heure, je n'ai pas répondu. Alors, est-ce que j'irai à l'université d'été? Oui, aussi, à Blois. Pour reprendre sur ce qu'évoquait Alex tout à l'heure, quels sont nos enjeux pour la suite? Nos enjeux, ils sont d'être dans le groupe toujours très représentatif, très actif, et de faire valoir le point de vue français dans ce dispositif collectif. J'ai les idées beaucoup moins nettes, si pour être tout à fait honnête, de comment ça peut se passer au sein du PSE, parce que j'ai pas toujours été très grande. Je n'ai pas vraiment beaucoup participé au congrès du PSE jusqu'à présent.
Voilà, donc je crois que notre identité, notre identité de socialiste français, elle aura tout à gagner en un investissement plus fort et plus identifié. Je le dis autrement, j'ai demandé à Olivier Faure que le parti ne pense pas seulement aux élections européennes quelques semaines avant une désignation et que ce trajet, à la fois la présence des socialistes européens dans la vie du Parti socialiste comme la présence du Parti socialiste français dans la vie du PSE, soit quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup mieux assumé. Parce que voilà, les socialistes français ont tout un tas d'idées sur l'Europe. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à les faire passer dans un contexte réellement suffisamment, dans un contexte collectif. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, si tu rajoutes à ça le fait qu'il faut que vous soyez de plus en plus nombreux à être au taquet sur toutes ces questions-là et à pousser dans vos fédés, à pousser sur des rencontres, à pousser sur le terrain. Tout ça, tu vois, c'est une espèce de triangle vertueux qui, j'espère, doit permettre d'avoir une meilleure identité collective. Mais il faudrait y ajouter, c'est peut-être la quatrième branche de triangle qui n'en comporte que trois, mais c'est comment on est présent sur le terrain. Parce que très sincèrement, moi j'étais une artisane vraiment tout à fait favorable au retour à une liste nationale aux élections européennes, parce que je pense que ça plantait de la politique dans cette élection. Alors bon, ça a été de la politique à notre détriment, mais on a fait de la politique au moment de la campagne électorale, et c'est un gros, gros désavantage, c'est qu'on n'a plus de circonscription. Et du coup, la présence sur le terrain des députés européens, c'est déjà un peu compliqué, ça l'est encore plus. Donc, dans la deuxième partie de l'année, là, quand on se sera un peu stabilisé, nous aussi, au sein de la délégation, avec un nouveau secrétaire général, etc., il va falloir qu'on mette en place un vrai programme de présence sur le terrain. Alors, je dis terrain, mais ça peut être sous cette forme-là, hein, mais qu'on ait un programme réel de contact avec les militants, d'échange avec les militants locaux pour qu'on reprenne vraiment pied dans tout ça. Alors, je note sur l'agenda une visite à Toulouse, alors. Je le ferai avec plaisir. Ouais. En plus, la campagne avait démarré à Toulouse. Oui, donc. Oui, je me souviens. Puis moi, je me souviens toujours d'avoir été magnifiquement accueillie, donc vraiment. Ouais. Malgré tout, là, s'il y avait une campagne à porter dans les 15 derniers jours, enfin, jusqu'au début des Aoûtiens, du départ des Aoûtiens, c'est quoi ? Ressources propres, budget à la hauteur. D'accord. Le Next Generation EU, le plan de relance, tous les tuyaux qu'il va falloir mettre en place pour que ça arrive au bon endroit, machin, tout ça, après ça sera de la mécanique. Mais si la question des ressources propres n'est pas réglée et si la question du volume du budget, du cadre financier pluriannuel n'est pas réglée, là franchement, on va être vraiment les pieds dans la galoue, quoi, franchement. D'accord. C'est ça le message. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui ont commencé à sortir. Eric en a fait aussi. Donc, et Pierre pousse beaucoup pour une campagne grand public sur le sujet, ce que je soutiens à 150%. Donc, voilà, c'est ça dont il faut, à mon avis, se saisir. Parce que, justement, c'est très concret. C'est le moyen d'expliquer que ouais, l'Union, elle n'est pas là pour piquer dans la poche du citoyen européen. Elle est là pour, justement, répondre à ses besoins. Et en plus, elle propose de répondre en ayant un impact financier qui est identifié. Donc, je pense que c'est un bon filon et une bonne campagne. Ok, super. On a donc au moins une feuille de route là-dessus. On saura de comment nous occuper aux vacances, qu'on espère. Oui, c'est clair. Les uns et les autres. S'il n'y a pas d'autres questions, un très grand merci à toi, Sylvie, d'avoir répondu. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Assurément, on va accompagner tout ça. J'avais fait dans la précédente session un petit insert en disant qu'on va essayer d'avoir Gaby Bischoff. Parce que le réseau des militants PSE sert aussi. Oui, oui. On est jumelé avec Berlin à Paris et que il y a un camarade de sa section qui a dit bah s'il y a moyen de faire une mise en relation, vas-y. Alors d'abord, initialement d'ailleurs, la visio devait se faire ce soir.
J'ai proposé cette date-là et j'ai demandé à notre SF Europe si c'était pertinent. Et il a dit non, assurons la pub pour la rentrée. On fera ça à la rentrée, comme ça, parce que ça fait partie aussi des sujets. Et en plus, vous pourrez le faire sur la conférence sur le futur de l'Europe, parce que Gabi est à la pointe sur ce sujet. Elle a été négociatrice et vraiment, elle a le fil d'une clarté biblique, si je peux me permettre, sur ce sujet. Donc, Tout à fait. Et d'ailleurs, on l'avait interpellée lorsqu'elle avait fait une conférence, une visio avec les militants SPD, en direction des militants seulement. Ouais. En disant, quel est le format, comment est-ce que tu imagines associer les gens, comment associer les militants des autres partis frères. On a commencé déjà à la titiller un petit peu, mais de toute façon, c'est un travail qu'il faudra bien baliser ou s'assurer que, il ne part pas comme ça à volo et qu'on le mette sous le tapis. Ça, c'est d'un. Et de deux, que ça ne soit pas la réédition de ce qui s'est fait dans la précédente. À l'initiative de Macron, c'est-à-dire un truc qui est descendant et où la réalité, c'est qu'il y a une espèce d'habillage institutionnel, mais où la main, elle reste toujours chez les gouvernements et non pas dans les associations. Ouais, on l'a vu, la toute première convention pour l'Europe, elle a fonctionné, elle a réussi en partie parce qu'elle s'était vraiment appuyée sur les associations, par un jeu de rôle. Ouais. Et évidemment avec un rôle extrêmement prédominant ou prééminent de la convention elle-même, des conventionnels, avec Olivier Duhamel qui nous représentait à l'époque. Tout ça présidé par DGE, on s'en souviendra. Mais il y avait un intérêt, c'était que c'était les conventionnels et essentiellement d'ailleurs des parlementaires européens. Et tout le travail, ça avait été d'empêcher derrière les États de détricoter la chose. Là, le processus a connu un vrai coup d'arrêt pendant longtemps et donc il s'agira de l'accompagner, de le porter. Et de ne pas le faire tomber dans l'escarcelle exclusive du président Macron qui présidera l'Union au moment où cette convention devrait se terminer et juste avant les élections présidentielles. Voilà, ouais. Très bien. Très heureux des mots que tu as pu dire du fonctionnement de la DGSE, de la délégation. Ouais, on le voit, régulièrement tu mets en avant toute la délégation et dans toutes ses composantes. On a trois parlementaires qu'on chérit plus particulièrement, qui sont Nora, toi et Eric. Mais c'est bien, vous êtes bien six en tout. Ouais. Et même à chaque fois, c'était la réponse que j'avais faite à des militants dans ma commission Europe ici, qui ne voyaient que vous six. Et je rappelais qu'on a en fait des parlementaires européens socialistes, on en a 180 et plus. On ira d'ailleurs chercher pas seulement Gabi. Mais Margarita Marques, oui, bien sûr, Aida Guardiazabal, qui fait un boulot formidable aussi sur le budget. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu que tu l'avais mentionné tout à l'heure sur justement le Recovery Fund et que sûrement qu'il y aura des choses à travailler de ce côté-là. Ouais. Alors, j'espère que vous recevez bien notre newsletter que j'ai vraiment tenu à ce que. Il y a plein de choses qui nous rassemblent, mais notamment le fait que tous les vendredis, on fait paraître une newsletter. Tout le monde y est et j'espère que ça atteint son but. Elle mérite d'être un tout petit peu plus jolie, mais elle est là. Elle est pas belle, d'accord. Okay. Oh, wow. Mais là, pour le coup, je prends ma casquette de communicant. En plus, je ne vais pas casser du sucre sur le dos des camarades. Ce qui compte, c'est d'abord et avant tout d'avoir de la matière, d'avoir des articles sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, qu'on va pouvoir populariser autour de nous. Encore une fois, un très grand merci Sylvie. Merci aux camarades. Merci à toi. Présent, alors qu'on est presque tous à
On a, ça y est, on a fini de décuver de nos victoires ou d'être un peu triste de, pour ceux des camarades. Ouais. J'aimerais juste dire une dernière chose aussi. Ouais. Mais franchement, là, quand tu as dit ces remarques, j'ai pensé vraiment que malgré le fait que c'était un peu difficile de dire ça, peut être choquant aussi, on a vu que tout le monde a rigolé, c'est peut-être ça qu'il nous manque un peu dans la formation politique dans laquelle on est. Parce qu'on n'ose quasiment jamais, même pas critiquer, mais dire des remarques. Et on le voit dans toutes les fédérations. Et c'est une bonne chose, franchement. Bon. Il faut dire la vérité. Enfin, sa vérité. Après, il y a un autre un truc qui va avec. C'est accepter que le camarade à côté, il ait une autre vérité que la sienne propre. Mais une fois qu'on a accepté ces deux principes, c'est essentiel, hein. Mais bon, toi qui es du sud-ouest, tu le sais, c'est ce que disait Jaurès, hein. C'est un peu sa définition ou l'invitation qu'il faisait à la jeunesse dans son discours. Donc je ne crois pas qu'on aura de rendez-vous lundi prochain. Je pense qu'on peut souffler. Mais par contre, cahier de vacances, Sylvie nous l'a donné. On a des choses à faire sur les ressources propres, tout ça. Juste une indication. Je sais que le PSE a fait une vidéo avec ses, et pas qu'une vidéo, du plan du PSE. Est-ce qu'il y a un autre document plus particulier de la délégation ou du parti ou sur lequel on peut s'appuyer pour le mettre en avant ? Sur un sujet en particulier ? Celui que tu as défini, c'est-à-dire sur les ressources propres. Il y a notamment une vidéo en français et en anglais, je crois, qui a été lancée. Qui sert qui peut servir de support de diffusion. Donc, moi, je l'ai vu vendredi. Alors, c'était peut-être une version bêta, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est en circulation. Ok, d'accord. À vos plumes, parce qu'on a entendu qu'il y avait un congrès à la fin de l'année. Il y aura des choses à dire sur les questions européennes, assurément. Et puis on fera le travail de synthèse, de qui a dit quoi et comment est-ce que ça peut se mettre en musique.